Un mouvement de colère contre la vie chère s'empare du Soudan. Des manifestations parfois violentes ont quasiment lieu chaque jour dans ce pays. Des vidéos de jeunes détruisant des commerces ont même fait le tour des réseaux sociaux. Dans la région du Darfour Sud, un couvre-feu nocturne a été instauré, de même que dans le Kordofan Nord. Ces manifestations qui touchent toutes les régions du pays ont gagné en intensité après l'annonce de la formation du nouveau gouvernement lundi par le Premier ministre Abdallah Hamdok. La nouvelle équipe sera chargée de trouver une issue à cette impasse sociale.